Il faut que je vous montre un truc. Ça. On m'a offert des pantoufles Call of Duty. Incroyable. Bon, comment ça va là? Est-ce que vous considérez que les TikTokers Warzone sont toxiques? Non, parce que, attendez deux secondes. Parce que, entre les TikTokers qui streamac les streamers, oui, tout ça pour faire un clip. Oui, j'ai buté physique avec une balle de snipe. Regardez mon clip incroyable. J'ai affronté physique. Entre ceux-là et ceux qui bougent dans tous les sens, ça canne ses slides, adrénaline, bim, gauche, droite, et ça fait pas de kin. Ah, de gueuler là quand ça arrive. Mais bref, évidemment, parmi les TikTokers Warzone, il y a aussi des TikTokers bienveillants. Bien sûr. Et c'est comme partout, les gars, il y a des streamers de merde aussi sur Twitch. Comme toi, physique par exemple. Termina. Pas exactement ce que je voulais dire. Bref, aujourd'hui, on analyse, plutôt on réagit à un TikToker toxique. Non mais c'est, je m'en fous, je considère que c'est toxique, ça va? Et en plus, il humilie des streamers, les pauvres streamers là, ils sont débordés là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des TikTokers Warzone. De manière générale, jugez-les là. Ça se trouve, vous trouvez que c'est cool. Après, honnêtement, c'est vrai que c'est divertissant. Un petit peu. Bref, bonne vidéo à tous, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous fait kiffer ce genre de format. Et aussi, venez me rejoindre sur Twitch pour ne pas rater les lives. Lien dans la description. Parce que j'ai vu un gars, un TikToker qui détruit des streamers avec leur réaction. Attendez, on va regarder ça si vous voulez. Hop. En gros, les gars, c'est des streamers qui se font tuer par un TikToker qui a des mouvements en mode... Il bouge comme un putain d'astico. Hein. Ah, c'est Tommy. Ok. Putain, mec, c'est horrible ce genre de mouvement. Les mouvements Warzone, mec, des fois ça n'a aucun sens. Hein. Genre, à quel moment le mec fait un slide sur la gauche comme ça là? Hop, slide sur la droite, slide sur la gauche. Des fois, les mouvements Warzone, waouh. Oh, Sadders. Après, c'est bien joué, hein. Such Sadders. Non, 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 le doc. Mierda, me equivoqué. Media plaquita más, bailarín. Bailarín. Non mais alors par contre ça les gars, je vous jure, c'est typiquement les joueurs TikTok. Les gens sur TikTok qui font des clips, c'est typiquement des mecs qui s'amusent à slide dans tous les sens en mode j'ai des mouvements de malade mental. Mais ils tirent jamais. Ils tirent jamais, c'est juste pour faire des bons clips et ensuite ils tirent. Si tu le mec, c'est bon, c'est clip. Regarde-moi ça! Ah, ce mime il est excellent, mec. J'approuve ce mime par. Ce mime est incroyable. Ooh, their brother's floating in the air. Non! Voilà, ils sont fait éclater hein, par contre. Hein. Les mecs, ils bougent comme un asticot. C'est pas possible, c'est à l'époque où l'adrénaline était forte, c'est pas possible. Stop stream sniping me. Oh. Est-ce que vous considérez les gars que c'est toxique ou pas ce genre de mouvement en vrai? Les mouvements des mecs qui bougent dans tous les sens comme ça là, c'est toxique ou bien c'est en mode GG à lui, il a super bien joué. Oh putain, là lui a mis la sauce par contre. Ah là lui a mis super cher. Hein. Oh what? C'est quoi cette balle, gros? Mec, sur sa POV, ça a été beaucoup plus vite que ça. Hein. Putain, j'ai l'impression que sur sa POV, ça a été 10 fois plus vite encore. Mais je pense que MW2 et Warzone 2, les gars.
Par contre, ce qui est toxique, c'est de tirer dans le sol, hein, vraiment, ça c'est... tirer dans le sol quand t'as tué le mec, c'est un peu toxique, ouais. Les gars, votre kit d'autoréa, pas oublié, hein. Oh, les gars. Ah, le pauvre, c'est un streamer français. Il est bizarre, là. Ouais, il est bizarre, lui. Le pauvre, le streamer français. Oh là là, mes mecs. En fait, le truc, c'est que c'est l'adrénaline qui est pété, les gars. C'est vraiment, je vous jure, sans l'adrénaline, il peut pas faire tous ces moves comme ça, là. En résu, c'est l'adrénaline qui est pété. Hein. Oh là là, mais mec, c'est... Oh là là, là, là. Nice. Mec, il avait de l'adrénaline tout le temps, il pouvait pas tirer. Enfin, il tirait dessus. Mais attends, mais il l'a craqué deux fois, je comprends pas, là. Ah, il le craque. Ah, il avait un deuxième, ok, d'accord. Ouais, il pouvait rien faire, là. Mais mec, c'est quoi ces mouvements, mec? Le niveau de tryhard là. Elle s'est fait exploser là. T'as, avec le gosse à l'arrière en train de manger, je sais pas quoi là. En train de se goinfrer. Là mais là son mate il fait pas d'effort aussi hein. Les coups de creuse dans le vide là, bon. Oh là là, ouais, bah là il s'est fait juste turn hein, concrètement. Hey les gars, si j'ai un conseil à vous donner sur Warzone actuellement, c'est quand vous faites tirer dessus les gars, même si vous êtes crack shield et que le mec il a full life, si vous arrivez dans un coin mort, donc vous passez le coin d'un mur, si vous reslidez dans l'autre sens, le mec sera toujours en train de courir, il pourra pas vous viser directement, vous gagnerez un temps et vous pouvez le buter. Parce qu'en plus il va devoir vous follow avec, c'est horrible. C'est horrible et ça marche de fou. Hein. C'est exactement ce qu'il a fait là. Hein. Hop là il est craqué, le mec le rush, il est en train de courir, il peut pas, il a pas le temps en fait. Il a pas le temps. Il slide, il doit réajuster son tir, donc voilà, il se fait baiser le cul. Hein. C'est vraiment ce conseil que j'ai à vous donner, c'est juste trop fort en fait. Oh là là, mec. Il bouge dans tous les sens, hein, c'est terrible. Hein. Wait. Do you know what it is, the reason why they've done that is probably... Is it SMG? Oh, il a quitté? No oh, way! Oh my god, you're so slow. No way! Mec, c'est Oh my god, you're so slow. Ouais, si tu tournes sur toi-même, en général, c'est mort, hein, vraiment. C'est... Faut essayer de garder de la distance entre toi et l'adversaire, sinon c'est trop dur en vrai. Sinon ça, bah voilà ce qui t'arrive en fait. L'humiliation ultime. Bah par contre les gars, le rire. Non mais attendez. C'est quoi ce rire de diabolique là? Putain. Tengo pinches balas, güey. No, pinches balas, cabrón. Es que no estaba recargada en su fusil, güey. Après, des fois, les mecs en face, ils ont pas de chance, hein. No, casi lo mate. Oh, il est chaud, toi, tu peux pas le tuer, ça. Ah, mais c'est un mec, c'est... Bah, déjà, il joue manette, c'est 100%. Mais c'est l'époque où je pense où l'adrénaline était vraiment cheat, hein. Genre, tu slidais sur 200 mètres, hein, c'était... Voilà. Ah mais le mec est chaud hein, là je suis d'accord. Hein. Ah bah c'est Vetrix. Ah merde putain, je savais pas. Oh mais lui comment il tryhard. Ah oui, tryhard de fou hein. Ah il tryhard de dingue. Voilà, tu peux pas l'avoir hein, non c'est impossible. Ah ces moments sont fluides hein. Si lui il est pas sous coque.
Putain, j'avoue. Oh mec, ce trolling de l'espace. Est-ce que vous êtes, les gars, vraiment, est-ce que vous êtes pour ce genre de mouvement pour Warzone 2 ou est-ce que vous voulez des mouvements plus raids en vrai? Je sais pas si c'est une bonne chose en fait des mouvements pareils sur Warzone. Il n'existera pas dans Warzone 2, bah je sais pas, hein. ça se trouve oui. Hein. Plus raid, on verra bien comment ça se passe. Encore plus rapide, ouais non, bah dans ce cas-là tu joues à Apex Legends. Hein. Le truc c'est que le jeu est pas adapté pour des mouvements aussi rapides, je trouve. Enfin plus rapide que ça, ça ira pas. Faudrait des nouvelles mécaniques de jeu pour Warzone 2 en fait, si c'est plus raid pour contrer le fait que c'est plus raid justement. Pour être assez mobile, genre des grappins et tout, ça peut être pas mal. T'as mis les mouvements du gars mec. Mais y'a pas à dire hein, ouais il est très bon hein, sinon tu pourrais pas faire ce genre de mouvement. Hein. En étant mauvais, hein, c'est sûr et certain. Oh là là, le one tap. Ça, il a pas mal joué, hein, le mec qui jouait là maintenant. Regardez, il a essayé de garder la distance, mais il a pas réussi du coup. Et il claque l'adrénaline, sauf que l'autre il a claqué avant, il a fait exactement la même en fait. Hop. Du coup il se fait surprendre là dessus. Et là il essaie de garder la licence parce qu'il est beaucoup trop près en fait le gars en face. Ouais, pas facile hein. Pas facile du tout hein. Dommage. Bah vraiment il avait des bons mouvements le gars. Par contre la saturation du gars ouais, il avait des filtres mon pote. What the fuck hein.